Mais en étant en manifestation et la police nous a arrêtés, verbalise, alors qu'on a le droit de manifester. Voilà ce qui se passe. Pauline, ça va aller ? Il fait bien faire. Les mecs disent qu'il y a un arrêté interdisant les manifestations actuellement sur la capitale, sur ce secteur-là. Peut-être, mais... Il y a un arrêté qui l'intéresse. Mais est-ce que c'est un arrêté ? Un arrêté, il vaut quoi par rapport à la Constitution ? Un arrêté, en fait, la Constitution dit oui à partir du moment où il y a un arrêté. Non, la Constitution, elle est dans la hiérarchie des normes. Il y a des droits, mais il y a des devoirs. Et les devoirs, il faut le respecter. Alors, quand il y a des droits et des devoirs, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Ah, bah si. En fait, il n'y a pas que des droits, c'est pas gratuit, les droits. Ah, si. C'est pas au pouvoir. Ah, mais si. Il y a des droits inaliénables quand même. Ah, bah oui. Oui, il y a des droits inaliénables. Je suis d'accord pour vous. S'il te plaît, ça fait ma copine. Il faut quand même cadrer ce droit. Ma copine est victime de violences sexuelles, ils vont jeter ça à la gueule et m'empêchent d'aller la voir. Vous avez entendu ? Les matricules. Comment ? Vos collègues nous parlaient des droits... Ma copine est victime de violences sexuelles, ils l'ont plaqué contre lui et ils lui ont jeté ça à la gueule. Apparemment... Ils ont arraché leur demande et ils l'ont fait tomber par terre. Ça va aller, Pauline ? El Unido, c'est moi, j'ai un problème avec moi. Vous aviez toujours la même adresse ? Non. La consigne, c'est on signe rien et c'est tout. Ils sont 12 contre toi, ils peuvent rien. Ok.